La valorisation du contenu local passe par l'investissement des Maliens de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. C'est dans cette optique que le CSDM, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, est allé à la rencontre de la coordination du symposium sur le contenu local initié par l'association Faire Mali. Voici les images capturées par TEMAC. Le Conseil supérieur de la diaspora malienne, c'est un organe extrêmement important dans la stratégie que nous voulons vraiment mettre en place, notamment avec la mise en place d'un groupement qui va former tous les acteurs de la sous-traitance au Mali. Faire Mali nous a saisis pour parler du symposium sur le contenu local. Et c'est une initiative salutaire pour le CSDM et l'ensemble de la diaspora qui vise surtout à mettre en valeur les potentialités pour les Maliens de l'intérieur tout comme ceux établis à l'extérieur à s'investir pour la mise en valeur des ressources que notre pays regorge, surtout à travers l'exploitation de ces ressources. Pour répondre aux attentes des Maliens, l'ACPM Mali s'est inscrit dans une logique de formation et d'accompagnement des fournisseurs locaux. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de mettre en place une plateforme. Le but de cette plateforme, c'est de canaliser toutes les demandes de toutes les mines sur la plateforme afin de mieux former les fournisseurs et les sous-traitants pour faire face à ces différentes demandes des mines. Le CSDM peut nous accompagner dans la mise en place d'une base de données des investisseurs, des potentiels investisseurs maliens qui sont à l'extérieur du Mali. Et donc nous allons travailler avec eux à travers une plateforme de mise en relation qui leur permettra de savoir quelles sont les activités potentielles dans notre pays et comment investir au Mali.